Hey everyone, I'm speaking quietly since it's early, but we're going to head over to Les Halles in Cholet, France. It's an indoor market, something you'll see around France. Indoor markets are quite common, and you could find all the important things in life, especially at this hour, like bread, wine, and cheese. So we're going to go see how they're getting set up, talk to a few people, and go from there. But first, if you're new here, my name is Diane. I'm the American behind the Living Abroad lifestyle blog, We in France. So if you're new, welcome. Hit that subscribe button. Give me a like if you're into this type of content. This is real life, guys. Street cleaners are around. Give me a like, hit that subscribe button, and we're going to get walking across the street. All right, before we head inside, just check out the hours. This particular market is open from around this time, 6 a.m., until just around lunchtime, 1:30, and then Saturday, 6 a.m. to 2. They are closed on Mondays. So one thing to note is that just because a vendor at the market is selling a product, it doesn't mean that they're the one that's actually produced the product. So what I mean is a vendor selling fruit, for example, it doesn't mean that they're the farmer who grew the fruit on their land, necessarily. In some cases, this is a fact, but always be sure to ask. A giveaway is if someone's selling bananas and pineapples, obviously they did not come locally. But aside from that, you'll see things like bread, cheese, soap, honey, fish. Just always be sure to ask if you're unsure. Bonjour, c'est Quentin. Vous avez peut-être déjà vu dans les vidéos précédentes. Alors, on est juste devant les Halles de Cholet, donc on a un point de vente. Et donc, tous les matins, avec le camion, on livre, on approvisionne le magasin en pain, en pâtisserie, en viennoiserie, en chocolat, tous les jours. Alors là, c'est un pain ordinaire, donc voilà, c'est un de nos produits phares avec la baguette. Et à côté, une baguette bio, donc sur une farine entièrement biologique. Et voilà, c'est un peu à la mode en ce moment. Il faut bien surfer un peu sur les... Alors, le matin, en général, je commence à 3h. Ouais, c'est un petit peu tôt, mais bon, on prend vite l'habitude. Et sinon, après, pour la production de pain, ça dépend des jours de la semaine. Mais le week-end, le samedi, par exemple, on peut monter jusqu'à à peu près pas loin de 1000 pièces de pain, toutes sortes confondues. Je m'appelle Sandra, j'ai 48 ans, 3 enfants. Je suis la troisième génération de crémiers fromagers. C'est une histoire, une entreprise familiale qui a été fondée par mes grands-parents en 1969. Ma grand-mère est aujourd'hui encore vivante, elle a 95 ans. Et mes parents ont repris en 2004. Et moi j'ai repris avec mon mari le 1er juillet 2010. Donc c'est un métier qu'on exerce avec passion. Moi je suis presque née dedans puisque j'ai toujours vécu dans le monde du fromage. Notre façon de travailler, on travaille énormément avec les producteurs et en direct, ce qui permet d'avoir un contact direct et de pouvoir choisir une nombreuse variété de fromage. Donc il existe 3 sortes de lait différents pour fabriquer le fromage. On va commencer par le lait de chèvre. Donc les chèvres peuvent avoir des formes et des couleurs différentes. La couleur cendrée noire vient de la cendre de bois. Celui-ci s'affine sur une feuille de châtaignier, ce qui va lui redonner des goûts différents. Il existe ensuite les fromages au lait de vache. Donc il y en a une multitude de différentes, avec différentes textures. Et des fromages au lait de brebis. Aujourd'hui, les ventes se diversifient, on a besoin de nouveautés. Donc voici la Tour Eiffel, un fromage au lait de chèvre fait à Parthenay dans les Deux-Sèvres, qui est donc le berceau de la fabrication des fromages de chèvre.
une petite tome de couleur pour mettre de la couleur dans nos vies, une tome au lait de vache, au lait cru, à la lavande et au thym. La couleur est due à la spiruline qui est une algue, elle est totalement naturelle. Et un petit clin d'œil pour vous, le Bella Vitano Espresso, qui est un fromage qui vient des États-Unis du Wisconsin. C'est un fromage au lait de vache qu'ils affinent au marc de café. Bonjour, je suis Jean-Louis Dollard, je suis caviste. Je suis caviste à Cholet dans le Maine-et-Loire. Nous sommes dans la région Val-de-Loire, région aussi de production de vin. Et donc en tant que caviste, je commercialise des vins mais également des spiritueux. Et puis que dire, c'est mon métier, c'est de sélectionner des vins aux quatre coins de la France. Mais j'aime aussi ma région et c'est la raison pour laquelle il y a une grosse partie de nos sélections qui concerne cette région Val-de-Loire. Là, je vous ai sélectionné en fait deux vins. Tout d'abord, je vais vous parler des Anjou Village Brissac de chez Jean-Yves Le Breton, domaine des Rochelles. Et là, en l'occurrence, sa grande cuvée qui s'appelle la Croix de Mission. Une cuvée emblématique de la région avec une singularité parce que si notre région se caractérise surtout par la production du Cabernet Franc, cette cuvée se caractérise par son cépage cousin, qui est le cépage Cabernet Sauvignon, bien connu notamment du côté des États-Unis. Et là, donc, on est sur une dominante de cépage Cabernet Sauvignon, produit sur des sols de schiste, de l'ardoise, puisque c'est aussi une signature des sols de la région. Et là, j'ai devant moi un très beau 2017 qui commence à goûter. C'est la bouteille du dimanche, c'est le vin sérieux. C'est ce que j'aime aussi à travers cette région, c'est sa diversité. Et là, on est sur un style un peu à part. Alors, à côté de ça, j'ai sélectionné aussi pour vous un joli muscadet parce que quand on est à Cholet, on a cette singularité, on est à mi-chemin entre Angers, d'où notre croix de mission juste avant, et puis ici, ce muscadet, donc il vient de la région de Nantes. Et là, en l'occurrence, on va retrouver en fait la jeune génération, génération de vignerons qui ont la particularité aujourd'hui de travailler proprement dans les vignes, en bio. Tout petit vigneron, l'emblème en fait de ce domaine viticole, c'est une tête de cheval, mais c'est aussi parce que ce vigneron a ressorti le cheval pour travailler les vignes. Et c'est ainsi qu'on a un style intéressant aussi. C'est les vins avec une grande élégance, une grande pureté. C'est les vins avec de la fraîcheur. Et là, en l'occurrence, je parlais de Julien Brault. Et je vous propose tout d'abord sa petite cuvée qui s'appelle les Vignes du Bourg. Une parcelle qui se situe juste à côté en fait, du village. Et on est du côté de Monnières. Monnières, qui est un joli village tout en coteaux, d'où l'intérêt de travailler à cheval. Alors en fait là, il y a une particularité, c'est que nous autres, on est présents en fait sur deux points de vente. Il y a un point de vente qui est en ville et puis ici nous sommes sous les Halles de Cholet et sous les Halles, il y a cette particularité, les gens font leur marché, les gens achètent fruits, légumes, poissons, viande, etc. Et on se retrouve ici est en fait un petit peu nous un peu le dernier maillon de la chaîne. C'est-à-dire que comme tout à l'heure, une cliente est passée me voir en me disant je vais préparer une recette bien précise, que peux-tu me proposer comme vin en association? Puisque chez nous en France, on a cette particularité, on consomme le vin à table, on consomme un vin autour d'un plat. C'est-à-dire qu'on aime à associer en fait vin et en même temps cuisine. Et c'est ainsi que l'intérêt en fait pour cette cliente, ça a été de trouver le vin qui soit le plus en adéquation avec le plat choisi. So something you might have noticed while watching my market video is that people generally come with a bag, a basket, or if they walk to the market, they come with a shopping trolley, a shopping cart like this one. Mine happens to be from the brand Rolser. I've had several of these over the years. They're really sturdy. This is not sponsored. It's just a brand that I can confidently recommend to you. People of all ages use shopping carts like this, so it's not just for young people or old people. They're normal. Everyone has one. And if you'd like one like this, check out the link below in the description.
All right, everyone, that wraps up today's video from the French Farmers Market. I hope you enjoyed it, and if so, please give me a thumbs up down below so I know that you enjoy this type of content. And if you've ever had the chance to visit a French Farmers Market yourself, let me know in the comments what kind of fun and delicious products you found. All right, I'll see you back here on the channel soon, and be sure to hit that subscribe button. Salut!